Petit enregistrement, la petite musique. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Je ne me rappelle plus. Allez. Hop. On commence. Je croyais que j'étais partie. Grand mouvement, le plus long possible vers l'arrière et de l'autre côté. Allez, de l'arrière vers l'avant. On marche toujours. Vous reprenez les épaules, on bascule la tête à droite et à gauche. Aligner le menton à la poitrine. Et là, menton poitrine. On remonte la tête, on inspire, on étire, on grandit, on prend le pied. Allez chercher, là-haut, 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 là-haut. Et on relâche. On ouvre doucement, on ouvre en fait. Marche sur les épaules, sur les hanches, pardon, j'aurais pu faire ça. On est sur les genoux, hop, on descend, à chaque fois. Bien. Manifeste, toujours, on descend. Et on monte. Allez, toujours pareil, on va chercher bien en bas. Ouverture. Hop, on descend. Et on ajoute les bras. Allez, on pousse les coudes à l'arrière. On ouvre la poitrine, rapprochez le dos. Allez, ça descend. On reste pas en haut. On fait bien, on souffle, on pousse. Et toujours pareil. Talon fait. Allez, on descend, on descend, on descend. Et on va faire classique. On va faire un petit peu sur les genoux. Hein. Poussez le dos. Et on lève les genoux. On croise bien le genou. Ne reste pas tout raide. Et on nouveau. On descend. Petit. On est bien. Et les bras. Alterne, on ouvre et on pousse derrière. Si on descend plus. Et moi, je suis quasiment en position de squat. Allez, ça descend, ça descend. Et on reste là. Poussez les pieds vers l'arrière. Fléchissez bien les jambes. On gratte les fessiers, écrasez dans les talons. Rentrez le ventre, basculez bassin. On rentre. Allez, les bras devant. On replie à chaque fois. Main vers la poitrine. Gardez les épaules bien en bassin. Et on reste là.
Il y a des gens. Ah, vous savez, des épaules, hein? Et on a toujours les jambes un peu flèches, hein? Tape vos fesses. Très bon. Détendez bien, hein, sur le foie. Allez, poussez les coudes vers l'arrière. Descendez, descendez, descendez. Soufflez bien à chaque fois. Je vous. Allez, on s'arrête pas. Allez, encore les derniers. On bien souffler sur la jambe d'appui. Parfait. Allez, on descend un peu plus. Allez, on s'installe vers le bas. La jambe d'appui, tout en fléchisse. Soufflez bien. Les mains montent et descendent en même temps. On essaie d'aller chercher un peu pour le genou. Allez, super. On va en faire. Allez, poussez bien les coudes vers l'arrière. Relâchez les jambes. Hauteur des épaules. Relâchez les épaules. Allez, cherchez bien là avec les omoplates. Dernière. Là, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, n'oubliez pas les filles, le dos, bien moi, poussez les fesses vers l'arrière et on pousse les mains, allez, on reste là, allez bien, le talon qui est au sol et on descend encore, hop, main sur les hanches, allez, en bas, en bas, en bas, en bas, les filles, encore, tout petit, allez, point de pied à l'extérieur, dans les talons, inspirez, soufflez bien. En bas, regardez, j'ai toujours la position squat. Soufflez à chaque fois pour remonter le talon. Super. Vous pouvez faire. Allez, on prend le bout du pied, relâchez un peu les temps. On ouvre devant, on l'a déjà fait. On fait un peu plus grand, donc un pied. Gauche, droite. On est dans les deux mains. On avance. Droite, gauche. Allez, on avance. On a changé de jambe. Hein? Et on descend. Allez, on descend. On va chercher en bas. Et on va le faire.
à droite, à droite, dans gauche. À chaque fois. Super. La petite variante, si vous voulez, si vous pouvez, hop, on saute. Le petit temps pour refermer. On reste sans sauter. Vous choisissez. Et on alterne. Jambe droite, jambe gauche. Quoi qu'il arrive, on est toujours en bas. Amortissez bien sur les genoux si vous sautez. Ajoutez le bras. Allez, un petit peu plus dynamique. On va le faire à droite et à gauche. Je vais. Pareil. Les mains sont là-haut et les descendent. Les bras et jambes du même côté cette fois-ci. Allez, allez. Amortissez bien. On tient une souffle. N'oubliez pas de flécher cette jambe d'appui. Et le mouvement ferme. En bas, hein, toujours. Pas complètement remonté. Hein. On flèche toujours. Bien. Allez. On est. Sur deux temps. Un et deux. Soufflez en remontant. Inspirez en descendant. Pointe de pied vers l'extérieur. Bassin. Basculez dos en position de 1. Bien là. Porter un peu avec le haut du corps si on veut pour s'occuper. On descend. Pointe de pied vers l'extérieur. Toujours. Là, en écrasant les talons, soufflez bien. Hop, on décolle. On alterne. On monte et on descend ses talons, d'accord? Rentrez bien le ventre. Les deux talons en même temps. Hein. Allez, encore. Et on ne remonte pas, les filles, on est toujours en bas. Hein. Ne vous arrêtez pas. On marche. Donc, on reste nos bouteilles d'eau. Buvez un coup si vous voulez. Marchez, hein, ne vous arrêtez pas. Allez, soufflez bien. On a un poids. On se rappelle. On descend les épaules. On descend les omoplates. Les épaules, elles ne sont pas là, hein, jamais. Pour tous les mouvements, on monte les bras à hauteur des épaules. On ne
Le bras est à la hauteur des épaules. Relâchez les bras. On va montrer, on fait un peu du blanc pour les bras, les abdos. Poussez les coudes en arrière. Allez. On va bien la poitrine et le corps. Rapprochez les pommes au plat. Comme tout à l'heure, avec le à hauteur des épaules. Ouch, on est là. Là, on va dans le chandelier, cactus. Allez, super. Relâchez bien les épaules. Hein. Si on a les épaules qui remontent aux oreilles, ça ne va pas. Si on a les coudes ici, ça ne va pas non plus. Les coudes sont à hauteur des épaules.
Ahora sí que va a tocar. Entonces, justo a poner los residuos. Je remonte. On essaye d'alterner. Jambe droite. On remonte sur jambe droite. On fléchit. Jambe gauche et on remonte sur jambe gauche. Soufflez à chaque fois que vous remontez. Vous allez venir avec vos bras, vous savez pourquoi. Et voilà, il remonte. Et il redescend. Encore 8, hein? Quatre. Trois. Deux. Et on reste le marché. Marché, marché, marché. Attendez les bras. En inspirant, nous en soufflons. Pensez à vos épaules. Vous montez à inspirer en descendant. Allez, encore 8. On accélère. 7. 5. 4. 3. 2. Le dernier, on redescend. Enroulez l'épaule. Relâchez les poids. Marchez. On prend le tapis, on passe au sol. Allez. On baisse un peu l'écran. On va faire l'écran. On les garde pas pour nous parce qu'on n'en prend pas beaucoup. On les dévoile pas trop. Sur le dos. On met les jambes. Les pieds au sol, hein, fléchissez les jambes, basculez. Le bassin en position neutre. Alors, même à l'intérieur, je transpire. Nathalie, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Là, je suis trempée. Donc. Allez, on s'allonge. Ce n'est pas grave. On souffle un bon coup. On prend. Vous avez dit de ne pas les garder spécialement.
à la place sur le ventre. Du coup, on est obligé de tenir les lèvres. Donc, du coup, on n'est pas du sol. Et on a les coudes posés au sol. On a les coudes jusqu'à là. Et on souffle. On monte. On descend. Et on alterne. En haut et en bas. Soufflez bien. Gardez les genoux dans l'axe des chevilles. D'accord ? Et dans l'axe des hanches. On n'a pas les genoux. Là, cette fois, on a le droit d'ouvrir les genoux, d'accord ? On inspire et on souffle, on referme. On n'a toujours pas les genoux au sol, on a toujours le poids sur les jambes. On ne referme pas les genoux, on ne se touche pas, on regarde bien dans l'axe des hanches. 5, 4, 3, 2, 1, on referme. On remonte parce qu'on est descendu un peu, c'est normal. Et on ouvre, 8. 4, 3, 2, 1, et on remonte encore parce qu'on est descendu. Hein. On reste là. On va tester si ça chauffe là normalement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on monte, on descend sans poser les fesses tout seul. Hein. Là-haut parce qu'on était quand même vachement bien là-haut. On ne sent rien, on s'en moque. Tiens, juste comme ça, soufflez bien. Donc, quand je dis juste comme ça, c'est en 90 degrés avec le buste, 90 degrés minimum, mollet, parallèle au sol, d'accord. On n'a pas les mollets ici, on n'a pas les mollets là non plus. Si on veut, on peut pousser les jambes un peu plus, ça engage encore plus dans la sangle abdominale. Les deux jambes et on décolle les fesses. On espère qu'on tient en poids. 6, 5, 4, on fait le ventre, soufflez bien. 3, 2, 1, on revient là. Montez par le sein. Là, parce qu'on est plutôt pas mal. Là, le poids, on les reprend dans les mains. Reposez les jambes. On ouvre. On pose les mains au sol et on referme. En soufflant, d'accord ? Les deux poids dans une seule main, d'accord? Avec les pédos, j'entends que ça va être compliqué.
Nathalie, toi, tu peux avoir les deux poids dans une seule main, d'accord? Donc, si vous ne pouvez pas, vous restez avec une bouteille dans chaque main. Sinon, on passe les deux poids à la main droite. Et pareil. Et on ferme. Attention, la main ne touche pas le sol. Hein. On change, Nathalie, une fois, demain, on prend deux poids, main droite, 7, 3, 2, 1 et deux poids, un dans chaque main et un nouveau. Les bras sont toujours là-haut, rentrez le ventre. Ici, tout va bien. Je tends, jambe droite, bras droit vers l'arrière. Et je souffle, je réfléchis, j'alterne à droite et à gauche. La main qui va derrière ne touche pas le sol. Et on garde toujours notre angle à 90 degrés. On ne ramène pas le genou poitrine. Parallèle au sol, jambes fléchies, bras sont toujours là-haut. On ouvre les deux genoux, les deux bras et on souffle, on referme. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Les bras, les jambes restent toujours là, mais parallèles au sol. On va faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reposez, relâchez. Et puis, les jambes dans la tête, là, soulevez bien. Allez, c'est un on laisse un peu les poids. On va passer à quatre pattes. Bien un coup si vous avez besoin. Ça, on les laisse de côté. Et on passe à quatre pattes. J'ai perdu quatre pieds en cours de route. Ah non, c'est bon. Écoute, c'est comme ça sur les points. D'accord, c'est vous qui voyez. On va être plus à l'aise sur les coudes. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le dos comme ça, mais on n'a pas le dos comme ça non plus. Hein. On garde le dos bien droit, le ventre. On aspire notre ventre, on le plaque vers la colonne. D'accord, là, on est bien. Hein. C'est pas trop dur. On ancre.
pointe de pied dans le sol. On décoffe. Donc, droite, ok, dans l'alignement du dos, fléchissez pied droit, pardon, de droite, juste un tout petit peu. Pour contracter les fessiers, tirez par la pointe du pied. 8, 7, 4, 3, 2, 1. On repose. On prend le pied dans le sol. Et on décolle. Les genoux. 8. Faites attention à votre blocage dans l'alignement du pied. Bien, 5, 4. Votre jambe, l'autre, basculez bien la hanche, les deux hanches sont parallèles au sol. Si on a tendance à vriller, hop, deux hanches parallèles au sol. Le dos ne bouge pas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reste là, on remonte la jambe. 1, 4, 3, 2, 1, dernière fois, prendre le pied dans le sol, décoller le genou. 7, 1, 4, 2, 1, une jambe, un bras, une jambe, un bras, hop, position. D'accord. On vient fléchir comme si vous voulez poser les fesses sur les talons et on retourne. Ça revient en position de planche. 7, bien loin. 5, poussez dans les jambes. 4, 1 et on remet en position de planche, le dos vers droit, 8, 5, 4, 3, 2, 1, encore reposé, hop, on vient les coudes au sol, on est toujours en position de planche. Et on reprend. Donc, vous avez une reste. Donc, 4 pattes à droite. Et on pousse, d'accord. Pareil, le dos ne bouge pas. 7, 6, 5. Un montant. Dernier but. Les injections poussent derrière. 7. Poussez. 5. 4. 3. 2. 1. Et on reste là. Avec le coup des coudes en plan. 6. 1, 4, 3, 2, 1, relâchez l'épaule et on ouvre. 8, 7, 6, 1, 4, 3, 2, 1, dernier coup de collier, on peut vous donner dans le bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2. Et on repose. Hop, hop, les bras, on monte les paumes de pied et on redécolle bien. Main gauche. On va chercher le cou qui est lâché. C'est devant lui. 7. 5. Stabiliser le dos. 4. 3. 2. 1. Hop. Et on sort. Lui. On va chercher le devant. On repose le poing au sol. Et on décolle. Je. On relâche. Sur le dos, les filles. Alors, on passe sur le dos. Je vais faire bien. On remonte. On a toujours notre angle à 90 degrés. On fait pas mal de choses. On fait des coins en croix et on y va. On va se compliquer la tâche. On remonte avec la jambe tendue. Je passe à la droite, je tends. Jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, je reste jambe gauche tendue et je remonte. Je réfléchis. À gauche, droite, gauche. Droite, jambe droite tendue, je remonte. Ça, c'est obligatoire. Soufflez bien en remontant, inspirez, descendez. Gardez toujours les deux épaules collées au sol. Montrez le ventre. On va appuyer. Allez, on fait encore 4. Voilà. Voilà.
2. Allez, le dernier. Et là, cette fois-ci, on alterne rapidement. On descend, on souffle en rond, sans tendre les jambes, sans faire le pédalo. Inspirez, descendez, soufflez. On reste là, au centre. On est parallèle au sol, on souffle. De trois grosses respirations. On va faire un bon flex au ventre pour relâcher la sangle abdominale. Et on va faire le mot troisième jambe. Et on va la poitrine, pas juste en moins de relâchement. Relâchez tout le reste du corps. Décroise pour recroiser jambe gauche sur jambe droite. On bascule sur le côté pour venir s'asseoir. Vous mettez comme vous voulez avec les jambes derrière les oreilles pour juste que vous ayez le dos droit. Le reste, ça n'a pas d'importance pour moi. Donc, jambes tendues en tailleur, c'est vous qui voyez. Allez, on croise les mains. Menton, poitrine. On arrondit le dos, poussez le dos vers l'arrière. On inspire, on remonte. On se grandit. On relâche tout le monde. Allez, on vient croiser la main là, dans le dos. Voilà, on change de côté. Bon, maintenant, d'un côté, c'est plus facile que l'autre.
normal. On se coule un petit peu les épaules, on enroule. Pensez à garder votre dos droit. Changer de côté. Et on pousse, jambes tendues, fesses vers le plafond. Un petit peu plus en arrière sans basculer maintenant. Je vous mets les micros, mais bon, je pense qu'il faut que vous les activiez vous-même.